Bonsoir à tous. Ce soir, je suis très fière de vous présenter deux nouvelles colistières. Tout d'abord, Christina Gulbakian. Bonsoir Sylvie. Et Julie Garabos. Bonsoir. Alors, par rapport aux autres fois, on va changer un petit peu le format. Je vais d'abord les laisser parler, les laisser s'exprimer et les laisser se présenter. Et je vous dirai quelques mots après. Tout d'abord, Christina, à toi. Alors, j'habite Villepreux depuis plus de 25 ans, au quartier de la Hébergerie. Je suis très attachée à ma ville et son cadre de vie. Je suis animatrice et intervenante auprès des personnes âgées. J'ai rejoint Sylvie pour son engagement et sa loyauté. Je la connais depuis un bon nombre d'années. Je souhaite développer les liens intergénérationnels en favorisant les activités partagées, que ce soit dans le domaine de la culture, des loisirs, de l'éducation. Enfin, il y a beaucoup de domaines, bien d'autres domaines. Alors moi j'ai 31 ans, je suis agent territorial depuis 12 ans et j'occupe actuellement le poste de directrice d'un accueil de loisirs élémentaires dans une commune des environs. C'est Christina qui m'a proposé de faire partie de l'aventure aux côtés de Sylvie, que j'ai rencontrée lors d'une balade urbaine il y a peu de temps. Et lorsque j'ai rencontré l'équipe dynamique et motivée qui l'entourait, j'ai tout de suite eu envie de la rejoindre. Je suis villepreuxienne depuis l'été 2019 et je réside dans le quartier des Hauts-du-Moulin. Je trouve ça très intéressant que de pouvoir s'investir dans la vie de la commune dans laquelle on réside. Et je trouve que c'est un bel engagement citoyen. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai envie de m'investir dans le domaine de la culture, de l'enfance, mais aussi la valorisation de notre patrimoine. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Christina. Alors, j'étais ravie de les avoir à côté de moi ce soir, parce qu'elles sont toutes les deux donc, agents territoriales sur des communes avoisinantes. Et je voulais vous parler aujourd'hui, plus particulièrement, des agents de la commune, des agents de Villepreux, des agents communaux. C'est très important parce que les agents communaux, c'est la véritable force vive de Villepreux, de notre commune. C'est eux qui sont toute la journée, tous les jours, en action pour vous les Villepreuxiens, pour votre bien-être, pour assurer les services de la commune, tout simplement pour assurer le service public. Les agents communaux, il y en a à peu près 140, 150 sur la ville, en comptant les contractuels, et c'est des personnes que j'estime profondément, j'en connais énormément depuis le temps, vous imaginez, depuis 2008, et c'est des personnes que j'apprécie énormément, que j'affectionne particulièrement, et je pense qu'il faut en prendre vraiment soin. Il n'y a rien de mieux que de prendre soin d'un employé, d'un agent, pour que quand ils viennent au travail, ils viennent avec plaisir. C'est ça que je souhaite pour l'avenir, c'est ça que je souhaite pour le prochain mandat et les autres après. Pour les agents, je souhaite vraiment qu'ils viennent travailler avec grand plaisir dans notre ville, dans leur service, pour cette notion de service public. Et ils ont tous, je peux vous le garantir, je les connais quasiment tous, ils ont cette notion de service public. Alors pour cela, le maire doit être présent. Il se doit d'être présent quasi quotidiennement. Pour moi, c'est une évidence que le maire doit être présent au CODIR, le comité de direction, avec l'ensemble des chefs de service, à chaque fois qu'il y a une réunion. C'est important qu'il soit là pour sentir les choses, ce qui va bien, ce qui va moins bien, et que le DGS ne soit pas le simple relais, même si c'est important, entre les services et le maire. Donc, présence du maire auprès du CODIR, mais aussi une présence sur le terrain. Je peux vous garantir que je m'engage à aller manger minimum une fois par mois dans une cantine de la ville, avec les agents de la restauration scolaire, auprès des enfants, avec les enseignants. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on voit comment ça se passe, où est-ce qu'il y a des choses qui vont un peu moins bien, ou est-ce qu'au contraire, ça va très bien. C'est important de savoir aussi où les choses vont bien. Donc ça peut être la restauration scolaire. Donc une fois par mois, j'irai déjeuner dans une école de la ville. Ça va être aussi d'aller très régulièrement dans la semaine, au cours des mois qui passent, dans les services techniques, espace vert, le bâtiment, etc. Mais aussi les animateurs des centres de loisirs, d'aller les voir régulièrement, parce que ce n'est pas des métiers toujours faciles, c'est des métiers assez éprouvants. Donc, toutes ces personnes-là, j'irai les voir. Il y a aussi, également, alors je pense au centre de loisirs, la ressource scolaire, les services techniques, mais ça peut être aussi le RAM. Donc, je pense que c'est très, très important que le maire se sente impliqué dans la vie de ses agents, pour que les agents se sentent le mieux possible, tout en les responsabilisant, bien évidemment, dans leur mission. C'est important de leur faire confiance. Et je pense que la notion de confiance, elle doit être primordiale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames, mais la notion de confiance entre le maire et l'ensemble des agents communaux, c'est la seule possibilité pour que tout se passe bien. Et je miserai sur cette confiance. J'en connais beaucoup avec qui j'entretiens de très bonnes relations et je compte bien à ce que ce soit comme ça avec l'ensemble des agents communaux. Donc je voulais aborder ce point parce que c'est vraiment de la force vive. Je termine là-dessus.
c'est la force vive de notre commune pour justement assurer un service public de qualité et encore plus de qualité. Donc voilà, je voulais leur faire un petit clin d'œil. Ils savent tous que je les apprécie beaucoup et ce n'est pas que de le dire qui est important, c'est aussi d'agir et de faire pour que nos agents aient envie de venir travailler dans notre commune, à Villepreux, et dans de très très bonnes conditions. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très très bientôt. Ma petite chatte Nina qui a 5 mois vous dit pareil, à très très bientôt. Elle est très câline, donc je l'ai gardée avec moi parce que ça me faisait plaisir. Et donc merci à vous Christina et Julie. Et ah bah si, elle se réveille. Donc voilà, à très très vite sur le terrain. Au revoir.